Je suis sénégalaise et je suis styliste et modéliste. J'ai fait une formation avec l'ancien IMCA qui est actuel Gen 15 à Dakar. J'ai fait une formation aussi à l'Institut de coupe et de mode de Dakar. Et je vis à Djibouti depuis 1987 où je suis venue pour une première mission avec les Nations Unies. Dans le cadre d'un projet de formation de femmes et développement avec l'UNFT. Et après ma mission, j'ai eu la chance de m'installer à Djibouti. Et depuis lors, je suis entre Dakar et Djibouti. Et j'ai beaucoup d'activités au niveau de Djibouti, avec l'armée française aussi, avec qui j'ai eu une convention dans le domaine de l'artisanat. Au début, ça a été un peu difficile, mais après, par la suite, j'avais le goût du métier et j'avais vraiment envie de percer et de faire mes preuves dans le métier. J'ai eu à former beaucoup de groupes de femmes au Sénégal. J'ai eu à travailler avec l'association des femmes de Lumumbashi et j'ai eu à travailler aussi avec l'association des femmes de Djibouti aussi. Et comme j'ai dit, avec le club des épouses militaires de Djibouti et beaucoup d'autres associations, j'ai fait beaucoup de séminaires de formation au Sénégal, comme à Djibouti et un peu partout en Afrique. Et avec les artisans, j'ai des partenaires qui, à chaque fois que je prépare ma confection, ils sont disponibles à travailler et faire la production avec moi. À chaque fois qu'il y a une grande occasion, par exemple l'artisanat au marché de Noël, la Saint-Valentin, au mois d'avril, là où on prépare les départs pour les vacances. Donc, en ces moments-là, je prépare bien la collection. Et quelquefois, c'est un peu difficile avec les frettes, etc. Mais on s'en sort, alhamdoulilah. Un peu difficile, par exemple, au début, soit en tant que professeur, tu travailles avec la fonction publique, ou bien, bon, tu crées ton activité parallèle, tu crées des activités génératrices de revenus, comme j'ai fait après mes missions avec les Nations Unies. J'ai créé mes activités à Djibouti, à Dakar, et Dieu merci, je m'en sors très bien. Ça a été difficile au début, mais maintenant, alhamdoulilah rabbil alamin, on s'est battu et on est arrivé à un niveau où vraiment la marque Fadel est appréciée par les Djiboutiennes et par les Sénégalais. Il y a beaucoup d'avantages. On a l'occasion, par exemple, dans mon atelier au Sénégal, à former beaucoup de jeunes tailleurs et de jeunes brodeurs. À Djibouti aussi, pareil, on a l'occasion de former beaucoup de jeunes et les appuyer dans les domaines des activités génératrices de revenus. Là, on dispose de la clientèle djiboutienne, ici à Djibouti, et de la communauté africaine aussi, et en particulier la communauté française avec le club des épouses militaires, et les Américains aussi qui sont résidents à Djibouti. Au Sénégal aussi, les Sénégalaises aussi aiment les tenues. Elles sont très coquettes, comme j'ai l'habitude de dire. Au Sénégal, malgré la concurrence, on s'en sort comme il le faut.
je leur fais tous mes encouragements, surtout les jeunes. Je leur dis il faut aller de l'avant, il faut oser, il faut se mettre dans la tête qu'il n'y a que les efforts qui payent. Et l'avenir est devant nous et devant eux aussi. Et ce qui est certain, que celui qui ne va pas arrêter de se battre dans ce métier fera ses preuves. Oui, sauf remercier vraiment mon entourage, ma famille. Et vraiment, je les remercie de m'avoir soutenu depuis le début jusqu'à maintenant. Remercier aussi tous les autorités djiboutiennes. Et je remercie aussi la communauté sénégalaise résidant à Djibouti. Et c'est l'occasion de les encourager, de les remercier.